salut la team. Waouh, ma voix, tout va mal. Elle est 7h30. Alors là, je me réveille tôt parce que je vais faire ma petite évolution sur une semaine. Parce que là, j'ai pris beaucoup de gras à Grenoble, tout ça. Donc, je vais me reprendre en main. Donc, je vais faire sur une semaine. Donc, sur une semaine, il y aura vraiment que le gras qui va partir. Je vais pas prendre du muscle parce qu'en une semaine, c'est pas faisable. Donc, voilà. On va commencer un nouveau programme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo là. Ça s'appelle le Casdark. C'est Kazma, c'est Unity System, leur chaîne YouTube, je la mets là, ici. Elle aussi, ils font des bons trucs, les gars, ils sont vraiment motivants. On va tester ça, et je pense que ça va être que du sale. Et sur une semaine, je pense que je vais bien perdre. L'alimentation, je vous filmerai un peu aussi comment je suis. Ok, parce que toi, imagine si tu veux prendre du muscle ou perdre du poids, n'importe quelle évolution, je sais pas. Si tu arrives à combiner l'entraînement plus l'alimentation, tu vas devenir une machine de guerre, je te promets. Si t'arrives, genre, quand tu manges, tu respectes bien les heures de repas, tout ça, tu respectes bien tous les repas, voilà. Et que l'entraînement, t'es bien assidu, tu respectes bien les entraînements, je vous promets que ça va aller très vite et que vous allez être très fiers de vos résultats. Voilà, c'est parti, je rejoins Vlad. Ok, donc là, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner? Donc moi, à savoir le matin, normalement j'ai super faim, mais là ce matin j'ai pas très faim parce que tout simplement hier soir j'ai fait un gros cheat meal, j'ai mangé au tacos avec Vlad, comme c'était un peu mon dernier cheat meal on va dire, parce que c'est la semaine prochaine, je vais quand même éviter le cheat meal. Je vais essayer, on verra bien. Donc voilà, donc là je me fais un petit bol de muesli. Ok. Donc comme vous voyez, je suis pas non plus trop gras, mais ça se voit, là, ici. J'ai bien pris du poids. Dites-vous juste que je suis à 8 kg de plus que quand j'ai à la fin de ref de ma transformation. Donc la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Voilà. Ensuite je me suis pris un petit jus d'orange à base de carottes et du d'orange. Alors, attention, les jus d'orange, c'est de la grosse merde. Faut surtout éviter. Là c'était un truc light, ok, j'ai regardé à l'arrière, il n'y a pas trop de sucre, mais bon c'est quand même un peu abusé, mais bon je me dis que bon, pour le premier jour, je peux me permettre ça. Voilà, après je ferai pas ça, parce que là j'en avais vraiment envie, parce que j'allais faire toute la nuit. Donc voilà, j'ai oublié de boire hier soir. Et puis voilà. Voilà. Et puis bien sûr pour finir le shaker. Alors moi c'est vrai que j'ai du mal à manger protéiné le matin. Avant j'arrivais. Maintenant je n'arrive plus. Du coup je me prends mon petit shaker après mon petit déjeuner tout simplement. Voilà. Donc si toi t'arrives pas à manger le matin, c'est tout simplement qu'il y a un petit problème. Le problème il vient d'où? Alors c'est soit la veille tu manges trop tard avant de te coucher, voilà, ou tout simplement que tu manges beaucoup trop le soir. Donc il faut que tu essayes de manger 2-3 heures avant de dormir. Comme ça t'es sûr que le matin t'auras faim, et de manger léger. Après ça dépend de ton objectif encore une fois. Donc je vous le redis vite fait aussi, c'est un programme avec des supersets, mais des supersets enchaînés sans temps de récup. Donc je vous laisse imaginer la dinguerie. Donc c'est vraiment... ça améliore beaucoup le cardio. Voilà, voilà, je vous laisse... C'est que du sport. Je vous montre comment Kazma il finit après ses entraînements. Voilà, ici. Voilà. Donc voilà, dédicace à toi aussi, Kefidiu. On t'oublie pas. Donc n'oubliez pas, donc si vous voulez faire ce programme-là, grâce à nous, bien sûr on ne gagnera pas d'argent, mais c'est juste pour faire plaisir vous, nos abonnés. Il y a un moins 20%. Moins 20% avec le code WB20, tout simplement. Ah. Et vous aurez moins 20% sur ce programme-là. Et aussi... pour la collection Body Time, il y a un code promo aussi que Unity System vous propose. On va vous le mettre là en bas. Là donc vraiment les gars sont parfaits, ouais. Leur programme. Donc là on vous donne un code promo pour leur programme et un code promo pour Body Time. Voilà, leur code promo pour Body Time. Donc franchement les gars, n'hésitez pas. Maintenant tout ce que j'ai à vous proposer, c'est parti l'entraînement. Ouais. Ok, venez voir comment se déroule le programme, je vais vous montrer un peu ça. Venez voir. Donc en gros, voilà comment ça se présente. Voilà, donc là c'est le programme. Donc là aujourd'hui vous voyez, c'est lundi, je vous mettrai la séance de lundi pour vous montrer un petit comment ça marche à peu près. Avec deux bras. Donc fait avec deux bras. Donc voilà, ça commence avec le développé incliné. Nous on va le faire aux haltères, qu'on a un meilleur ressenti. Et puis ensuite traction. Donc super set. Et on va enchaîner les trois super sets sans temps de récupération, bien sûr comme je vous l'expliquais avant. C'est parti. La vie de ma mère, j'ai guérin qu'on les baisse. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Oh putain de merde, la mixtape elle arrive. Mes chégués sont pressés, sont pressés, sont pressés. Tu préfères ambiancer ou conscientiser? Rapper mon vécu sur des prods de baiser. La faucheuse a pris mon poteau, l'a pas rendu. J'ai fumé un joint pour apaiser mes nerfs. Ma titi, c'est bon. Voilà donc, deuxième super set. Développé couché, super set, rowing bar. C'est parti. Avec la team work, c'est pas de l'eau. Toujours là. Bon, par contre, pour les carottes. Donc là, tu
plus détendu, on revient dans le game, oui, pour niquer des mères. Pas de cesser dans le zen, non, c'est le fruit défendu. Et j'ai vu des rappeurs s'éclater les veines. Arrêtez de croire que 5-9 c'est la campagne. Nous ne sommes qu'à une heure de la gare du Nord. Ça détaille de Roubaix jusqu'à Port d'Arras. Ça bilbille en léger comme un Baltimore. L'amour s'achète donc les capotes sont pleines. Legging est rempli donc les couilles sont vides. Appuie sur la gâchette si tu veux la guerre. Je te rappelais à quel point la vie a un prix. J'entends des MC qui jactent sur moi alors qu'ils n'ont même pas fait le quart de mes ventes. Je vais finir le deuxième super set. Je suis KO, je suis conditionné, c'est super. T'aimes pas tant blablater avec tes potes ni rien. C'est que du sale comme l'avait dit Kazma. Et vraiment qu'on a fait un gros cheat meal hier, parce que sinon on aurait jamais tenu. Donc là c'est parti, troisième super set. Développer des inclinés avec tirage unilatéral. C'est parti, je suis KO, j'ai envie de vomir. Faut qu'il dit vrai, qu'il dit vérité. Tes rappeurs, je les baisse en toute humilité. Mon poteau, dis-moi pourquoi tu rages. Si j'en suis là, mon gars, c'est que je l'ai mérité. Je te casse le cul, je te le répare chez Naruto, Sasuke, Uchiwa, Kakashi, Haruno. Elle me suce, puis je crache. Elle veut que j'embrasse mon égo, non, c'est dégoûtant. J'avais pas de buzz, elle me calculait pas ses chiennes. Aujourd'hui, elle se met tout doué en fil indienne. Pow! Fier comme un DZ, les principes à mes styles, je vais mourir comme Boom et Jen. J'aime ma femme, moi, je suis dingue, dingue d'elle. Donc, je fais plus l'amour à l'hôtel. Quand on... Donc là, vient de finir le troisième super set. Passe au quatrième. Le quatrième, il est hard. Aussi c'est écarté unilatéral, donc comme ça la poulie, je vous montre. Malheureusement les poulies sont prises, du coup on va le faire aux haltères. En plus nous on a un meilleur ressenti niveau haltères pour le haut du pec. Ensuite on va faire rétropulsion unilatérale. Donc vous partez d'en haut comme ça pour le dos et vous descendez. Pareil les poulies sont prises, donc du coup on va le prendre sous un autre exercice. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de respecter les exercices à la lettre. Si vous savez qu'un autre exercice qui travaille le même muscle, vous pouvez très bien faire l'autre. Donc c'est parti, quatrième super set. On est KO, congestionné comme jamais. C'est parti. Moi je suis gentil, c'est les gens derrière moi qui sont trop méchants. Coup de pompe, patate, balayette. Je suis dans le rap à la base, je voulais pas y être. Je suis posé dans ma zone avec le gérant du four. Là où tous tes rappeurs ils mettent pas les yep. Va leur dire qu'ils aillent se faire mettre. Je suis dans le jet avec Paris Sportif, je peux me le permettre. Je souhaite dire qu'un car city dans la zone. Comme Balthaz, on a quadrillé le périmètre. Décalage des formes, c'est des usines. La vengeance. Je viens de terminer le dernier super set. Ensuite, ce qui nous reste, c'est les bras. Donc, je vais pas tout vous détailler parce que voilà, les bras, nous, souvent, on les fait pas, mais là, on va les faire. On va vraiment suivre le programme pendant une semaine à la lettre, même plus. Nous, je pense qu'on va faire sur plusieurs mois. Voilà, donc les bras, on va pas tout vous montrer, on va vous montrer un peu. Et voilà, ensuite, ça finit par un petit circuit abdos. Donc, elle a l'air super bien, je vais pas vous le mettre. Si vous voulez, bien sûr, acheter le programme, je vais pas tout vous montrer non plus. Et puis, c'est parti, comme vous voyez, on est bien congestionné du pec, les bras, c'est super bien. T'as envie de vomir pendant l'entraînement, donc ça veut dire que c'est un bon signe. Et puis voilà, et toi t'en ressens si Vlad? Comme a dit Anthony, c'est vraiment sale, on sent bien la congestion, on se donne à fond à chaque série, on n'a même pas le temps de se dire oh, ça part. Pour le cardio c'est parfait, pour la, franchement, nous ça va nous changer nos habitudes. Bref, je vous recommande, comme dirait Kazma, ça bouge pas. Ok, donc là c'est parti, curl, supination, donc ça veut dire sans aucune rotation, donc vraiment juste supination. N'oubliez pas les coudes bien collés, qui partent pas en arrière, ni en avant, bien collés comme ça. Vous descendez pas totalement en bas pour garder la contraction du biceps. Et ensuite, extension neutre, donc aux haltères, comme si vous avez la barre Z, sauf que c'est aux haltères. On peut bien faire attention à bien coller les coudes, pas être comme ça, bien collé, et voilà, statique. C'est parti, on commence le super set, bien sûr, sans temps de recul, comme d'habitude, que du sale. Tout ce que je veux, c'est faire de la moula, moula, c'est faire de la moula, moula. Une, deux, trois, quatre bouteilles, c'est beau sur la bleue, t'as en clair. La moula, 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 oui, c'est faire de la moula, moula. Une, deux, trois, quatre pétas, c'est beau sur ma bleue. Ok, donc là on est complètement mort. Ok, on a fini le super set des bras, super set des abdos. On va le faire après, on va pas vous le filmer, voilà, c'est pas nécessaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer toutes les séances parce qu'on va faire ça pendant une semaine. Ouais. Je vais vous montrer, on va vous montrer à quoi on ressemble exactement maintenant. Voilà, on l'a fait à la fin de la congestion, donc on va pas tricher comme ça à la fin. On va pas faire une photo au début, pas du tout congestionné et sans contracter. Ouais. Là, on a vraiment fait des vraies photos, pas des photos mythos. Ok, et comme ça à la fin, vous verrez, moi surtout, moi il y aura plus d'évolution parce que moi je vais sécher à mort. Et lui, moi, le but, c'est que je prenne de la masse. Vous voilà. Voyez un peu au niveau des épaules, je pense. Voilà, lui, au niveau des, faut qu'il prenne de la masse au niveau des épaules et au du pec. Moi, faut que je prenne plus de la masse, pas du pec. Et sinon, c'est chier. Voilà. Du coup, vous verrez à la fin. Donc là, je pense qu'on va pas filmer tous les entraînements. Bon, on va être intéressant, la vidéo est voilà. Trop longue. Donc ça. Là, on se retrouve directement à la fin des une semaine. Donc on se retrouve dimanche, enfin, on va se retrouver samedi matin à la séance. Et puis, comme ça, on va faire un débrief de la séance de la semaine, comment ça se passe, tout ça.
Voilà, j'espère. Voilà. Voilà. On donc, dira notre ressenti, ce voilà. qu'on en pense. En tout cas, première séance, bon ressenti. Franchement, bon ressenti, j'ai adoré, c'est la première fois. Ah, donc, pour ceux qui en ont marre de la salle et qui s'entraînent tout le temps pareil ou qui sont lassés, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut changer vos habitudes d'entraînement. Voilà. Faut faire que du sale. Voilà. Faut changer son entraînement, ses angles de travail. Donc, les temps de récup, les séries, voilà, les temps de série. Donc faut changer, là il n'y a pas de repos, donc ça va complètement changer vos habitudes. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Voilà. Faut choquer le muscle, et pour choquer le muscle, faut le casse d'arc, donc c'est parti. Donc c'est avec la team, là je viens de me faire un petit kiff, je viens de finir l'entraînement casse d'arc, une dinguerie, bref j'en ai déjà parlé précédemment. Et du coup, donc c'est très cardio, donc pour une sèche c'est parfait. Donc pendant une semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, que du coup on verra à la fin mon résultat. Donc dans la transformation pour une semaine, bien sûr une transformation une semaine, c'est que pour, enfin on va dire, c'est surtout pour les pertes de poids, pour les prises de muscle. Une semaine, c'est vraiment trop léger. Donc voilà, vous verrez pas trop de résultats. Enfin, voilà, on n'est pas, c'est pas non plus un programme. Voilà, il y a pas de miracle. Tu veux avoir des résultats, faut être patient et assidu. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en plus de faire le casse d'arc et une alimentation plus que parfaite, donc je vais faire une petite sèche à niveau alimentation. Et ben, je vais faire Wolf en plus. Je vais voir. Peut-être pas tous les jours. Je vais voir une semaine, un jour sur deux. Je sais pas, mais je vais faire un 8 Wolf. Et à la fin, je vais aussi couper l'eau. Pas 35 heures comme j'avais fait précédemment dans le vlog. Si vous n'avez pas encore eu ma transformation sur Wolf, j'avais coupé 35 heures avant l'eau. Là, je pense que je vais la couper 24 heures avant. Je pense que ça va suivre parce que c'est vraiment sur une semaine. J'ai juste envie de faire un petit kiff pour devenir sec comme ça. Voilà. Donc, je vais me faire un petit kiff. Donc, voilà. Donc, là, j'allais faire Wolf. Je vous filme un peu vite fait. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je filme pas trop et on se rejoint. Enfin, on se retrouve à la fin pour le shooting photo. Je prendrai pas de photographe parce que ça vaut pas le coup juste pour une semaine. Juste avec mon iPhone, ça suffira. Et puis, on ira de faire des belles petites photos. Et puis voilà, Vlad, comme il a dit, il va essayer de prendre un peu plus de muscles. Il va essayer de se tracer plus au niveau des, sur les côtés des obliques. Donc voilà, on verra à la fin ce que ça donne. Le poids derrière, le poids du corps sur le talon, le dos reste le plat. Et on essaie de monter le plus haut possible. Genre à la prochaine, à serrer le ventre au niveau des bras. On fait... Ira à l'hôtel, ton cabron, l'alcool, j'ai de l'eau. Alors oui, laisse-moi la boire au goulot. J'ai tellement niqué de pisser, demain, elle ira pas au boulot. Voilà, donc là, je viens de finir Wolf. Où est l'état que je suis? Donc, le casse d'arc plus Wolf, ça va être un truc de ouf, et ça va être énervé, là vraiment, je suis content, je suis en pleine forme. Là j'ai pris une nouvelle résolution, je me lève tous les matins tôt, donc 7h30, je vais m'entraîner, donc là je vais manger, je vais faire bien sûr la diète de Wolf et l'entraînement de la dernière semaine, donc le plus dur, voilà, pour bien sécher. Et aussi bien sûr, si vous voulez faire Wolf, vous aussi, en plus que Casse d'Arc, vous pouvez bien sûr avoir avec son code promo de Unicy System, je vais vous mettre tout ça ici, même dans la description, vous irez voir, voilà. Et du coup, vous pourrez avoir une réduction pour Wolf, et ainsi que la boutique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est... que bénéf pour vous la team. La team, je voulais voir un point avec vous très important. Vous savez que moi et Vlad, on a une réduction de 20% en moins sur le programme Casse d'Arc, donc de Casma. Alors, on ne touche pas d'argent dessus, donc là. Donc pourquoi? Ça n'a rien à voir avec que Casma est radin ou qu'il a pas voulu, ou il a essayé de nous, je sais pas, voilà. Tout, je vous connais dans les commentaires, je vois déjà venir, ouais, Casma il t'a niqué, tu fais une vidéo sponsorisée et il donne même pas d'argent. Je vous explique tout, il m'a proposé de l'argent. Je lui dis que je voulais faire ça de bon cœur, voilà, je voulais, parce que ça m'intéresse, parce que je l'aime bien, on s'entend bien. Je voulais faire ça pour lui, pour promouvoir un peu son nouveau programme qui vient de sortir. Et donc il n'y a rien à voir que je me suis fait niquer ou quoi. C'est tout simplement que j'ai voulu faire ça de bon cœur et que ça me fait plaisir de partager son programme et d'être sincère, qu'il est vraiment bien. Et du coup voilà, je voulais vraiment voir ça avec vous. Tout simplement parce que je vois déjà les haters dans les commentaires dire voilà tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà team, on se retrouve pour le repas. Ok, donc du coup pour l'alimentation, donc là j'ai fait un steak 5% avec un steak vegan, voilà j'avais envie, ça m'arrive des fois, et d'haricots verts, donc les protéines, légumes et le glucide, donc là c'est 40 grammes, je me suis pris une tranche de pain complet. Bien sûr, donc là au début de semaine je mets un peu de sel avec un petit filet d'huile d'olive, et au milieu de la semaine je vais mettre beaucoup de sel, voilà, pour, voilà, j'ai tout expliqué dans ma vidéo de transformation, donc j'ai coupé le sel et l'eau, tout ça, vous allez tout comprendre, allez voir cette vidéo pour tout comprendre par rapport à ça, et du coup, c'est parti, donc là, on se revoit à la fin de la transformation, donc dans une semaine, ce sera pas une transformation de ouf, mais pour moi, ça va bien changer, quand même. Ok, donc voilà, on se retrouve dans une semaine pour la transformation, donc ça sera moins d'une semaine parce qu'on se retrouve samedi. Voilà, donc ça fait samedi, donc ça fait 6 jours. Voilà, on se retrouve dans 6 jours, ça sera pas une transformation de dingue, mais je pense perdre 3-4 kilos, voilà, donc ça va se voir, surtout au niveau des joues. Donc regardez bien les joues là, je vais mettre ma main, une fois que je vais tirer ma main, on sera samedi, et vous allez voir les joues, la différence, vous allez être choqués. Je vais me faire ici au même endroit, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, donc comme je vous l'avais dit, vous avez vu mes joues, ça a complètement changé, ce que je perds en premier au niveau du visage. Donc là, on est dimanche, on a terminé la première semaine, donc le programme, bien sûr, nous on va le continuer, donc les casse d'arc. Donc qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? On va se congestionner un peu avant de faire la photo, bien sûr. Là, je vous montre pas maintenant à quoi je ressemble. Mais bien sûr, en une semaine, vous allez bien voir que ça a changé. Mais c'est pas non plus une transformation incroyable. C'est simplement une semaine. Une semaine, on a juste le temps de perdre du gras, mais on n'a pas le temps de prendre du muscle. C'est impossible, ok?
Donc, ce qui va se passer là, donc on va se congestionner un peu. Avant les photos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des trucs sucrés, donc des sucres rapides, pour pouvoir faire une petite remontée glucidique. Et bien sûr, j'ai pas coupé l'eau parce que je trouvais ça inutile pour une transformation d'une semaine, surtout que j'ai pas séché énormément de temps que ça, donc ça, c'était inutile de se faire du mal pour rien. Donc, en conclusion, ce que j'ai à dire sur ce programme là, bah franchement, il est super. Si vous voulez sécher en même temps de prendre du muscle, en même temps de prendre de l'endurance pour le cardio, tout ça, c'est parfait. Bien sûr, moi c'était compliqué parce que j'ai fait Wolf à côté, beaucoup de cardio, donc voilà, c'était compliqué. Mais si vous faites simplement le casse d'arc, il est super. Les deux premières semaines, elles sont super compliquées. Enfin, les deux premières séances, pardon. Attends, je vais commencer. Les deux premières séances, elles sont super compliquées. Après, c'est un peu moins dur, vous allez voir, c'est vraiment allégé pour vous. Donc franchement, je le recommande, ce programme là je dis pas ça parce que c'est un bon pote, mais je le recommande. Donc le casse d'arc, je le recommande. Donc là c'est parti, je vous laisse sur ma transformation. Je vous mets un peu de musique pour vous motiver, voilà. Donc après cette vidéo, j'espère que vous allez vous motiver, acheter son programme numéro 1 et ensuite le faire et faire que du sale et m'envoyer toutes vos transformations. Oh, all of the bitches exotic, cars robotic, we go retarded. Hop in the foreign, don't need the top. When I get home, I need the top. Louis Vuitton when I leave the house. She got an ass and I grease her mouth. She... Ok, et à la fin de la série. Après une semaine, là on monte. On fait ça plus là 4 fois. Et après on fait les photos, c'est parti. Ok l'équipe, comme a dit Anthony, on va passer aux photos. D'abord on va bien se conditionner et on va faire une remontée glucidique. Qu'est-ce que je pense du programme Casse d'Arc? C'est un très bon programme au niveau cardiovasculaire, au niveau la congestion, je la ressentais vraiment bien sur cette semaine. Même en moi, genre un bien-être. Franchement, je vous recommande ce programme. Mon évolution de cette semaine, c'est pas ouf. Parce que moi, je suis déjà bien sec. Et mon objectif, c'est de prendre beaucoup de masse. She wanna twerk when I leave the house. Gucci the belt and I'll leave it out. Yeah, I got standards. Diamond near Flanders. Ooh, ooh, Kool-Aid jammer. Cookie pack on camera. Yeah, yeah, I got standards. Diamond near Flanders. Ooh, yeah, Kool-Aid jammer. Cookie pack. Et sérieusement, l'équipe vous recommande pas du tout ce programme. Pour ceux qui veulent aller à la salle pour pas s'arracher, pour faire les kikis, je pousse des poids, c'est tout. Je veux juste être athlétique. Je recommande ce programme pour les vrais bonhommes, ceux qui veulent s'arracher. Les vrais soldats. Et ça bouge pas. Va les chercher. Ne rêve pas la vie des autres, mais réalise tes rêves. Mon parcours dans le domaine de la musculation m'a permis d'en tirer une conclusion. Casse d'arc, une méthode d'entraînement propre à moi-même qui fait de ce programme un véritable cocktail explosif entre la force, le volume et la capacité cardiovasculaire pour devenir tout simplement une véritable machine de guerre.